became completely rigid. Toward the end of the third day, he showed to learn, to help hospital nurses in their tasks, willing to give their time and a loving hand. Some seriously involved patients may always require some respiratory aid. Diphtérie, tétanos, poliomyélite. Voilà ce qui se cache derrière le sigle DTP. Ces images sont terribles, regardez-les bien. Car si aujourd'hui ces maladies n'existent pratiquement plus, il fut un temps, pas si lointain, où ces maladies tuaient par milliers. On a parfois tendance à l'oublier. Si ces maladies ont bien heureusement presque disparu, quelles en sont les raisons ? Après une séquence très pédagogique sur le principe de la vaccination, Hervé Lebras prend la parole. Ce démographe et historien soutient que de nombreuses mesures ont été prises pour enrayer les maladies, y compris la vaccination et les différentes mesures d'hygiène. Il y a eu au fond une conjonction à la fois de mesures sanitaires, de mesures étatiques, l'isolement a été recommandé aussi, et puis de mesures de vaccination. Trois exemples sont choisis, diphtérie, tétanos et polio. Les courbes nous sont montrées et on nous explique que c'est l'effort conjoint entre vaccination et conditions d'hygiène qui a permis d'enrayer ces maladies. La vaccination est obligatoire en France et en Allemagne à la fin des années 30, mais elle n'empêche pas le nombre de morts de fluctuer. Quand les conditions de vie se dégradent, comme pendant les guerres, les cas mortels sont plus nombreux. À l'inverse, vaccination et progrès sociaux se conjuguent pour une disparition de la diphtérie depuis les années 60. Le tétanos est provoqué par une toxine produite par une bactérie présente dans le sol. La vaccination, obligatoire depuis 1940, n'empêche pas un pic de décès dû aux blessures pendant la guerre. À nouveau, conditions sanitaires et vaccination se conjuguent et le tétanos, souvent mortel chez les enfants en 1923, touche de rares personnes très âgées depuis les années 90. Pourtant, si l'hygiène avait été si importante, toutes les maladies auraient connu une baisse au même moment. Ce qui, rien qu'avec les trois maladies présentées, n'est pas le cas. Le tétanos et la diphtérie ont connu une baisse drastique dans les années 40, alors qu'il a fallu attendre les années 60 pour la polio. Et puis, de quand date l'hygiène en France ? Attends, c'est pire que tout ce qu'on a jamais vu. Bon, ok, pour certains, il y a encore des progrès à faire. Difficile de donner une date, tout ne s'est pas produit au même moment, partout, mais prenons celle qu'on nous donne dans le documentaire. On nous mâche le travail. Pourquoi s'en priver ? La mesure d'hygiène principale à la fin du 19e siècle, et là on a des très bons travaux, c'est la construction des égouts. À la fin du 19e siècle, les trois maladies étaient pourtant encore largement présentes dans notre pays. Que viennent faire les égouts dans cette histoire ? Prenons une autre date. Et pas la peine de sourcer, ça nous vient encore du documentaire. Par exemple, le recensement de 1954, plus de la moitié des logements à Paris sont insalubres. D'après ce qu'on nous dit, 1954, c'était pas ouf l'hygiène. Pourtant, la diphtérie avait déjà largement disparu. Donc, encore une fois, quelle est la relation entre cette date et puis les maladies qu'on nous présente ? Par contre, si on cherche une corrélation temporelle plutôt bonne, on en trouve une, toujours dans le documentaire, la vaccination. Et oui, on voit très bien sur ces graphes que dans un délai raisonnable après l'obligation de la vaccination, on a un effondrement de la mortalité pour ces trois maladies. Donc pour résumer, dans le documentaire, on est en train de vous montrer des dates importantes pour l'hygiène, fin du 19e siècle et 1954, qui ne coïncident avec rien du tout, et d'un autre côté, on vous montre les dates d'obligation de la vaccination qui coïncident plutôt très bien avec la baisse drastique des maladies. Et on essaye de vous faire croire que c'est grâce aux deux conjugués qu'on a éliminé ces maladies. Moi je veux bien, hein, mais il va me falloir des preuves un petit peu plus solides quand même. Alors ils vont tenter de promouvoir l'hygiène d'une deuxième façon en se servant de la guerre. Mais elle n'empêche pas le nombre de morts de fluctuer. Quand les conditions de vie se dégradent, comme pendant les guerres, les cas mortels sont plus nombreux. La vaccination, obligatoire depuis 1940, n'empêche pas un pic de décès dû aux blessures pendant la guerre. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui peut sembler pas clair dans les courbes. Il est complètement vrai que malgré l'obligation de la vaccination, pendant la guerre, la diphtérie et le tétanos ont connu d'importantes épidémies. Dans le documentaire, on assimile ce pic à un manque d'hygiène. Comme c'est la guerre, on manque d'hygiène, et dans ces conditions, la vaccination est insuffisante, et donc il faut vaccination et hygiène pour que ça marche. C'est ça le raisonnement. Alors déjà, la guerre, ce n'est pas simplement une condition dans laquelle on manque d'hygiène. C'est bien plus que ça.
C'est aussi des déplacements de nombreuses personnes, une certaine promiscuité, mais aussi de la fatigue, de la malnutrition ou un manque de soins. Des conditions absolument parfaites pour les épidémies. D'ailleurs, les pays occupés par l'Allemagne ont systématiquement connu des épidémies. Pendant longtemps, c'était même les maladies plus que les actions militaires qui ont causé des morts pendant les guerres. Par exemple, pendant la guerre au Mexique en 1861, 7 fois plus de morts ont été causées par les maladies. Donc on a une première explication possible à ce pic, les conditions de guerre seraient trop favorables à l'épidémie pour que la vaccination puisse la contenir. Mais encore une fois, on parle de conditions de guerre, pas d'un simple manque d'hygiène. Il y a une deuxième explication. Les dates de vaccination affichées correspondent à des dates d'obligation de vaccination, pas des dates pour lesquelles la vaccination a été importante. Et justement, c'était le cas de la vaccination contre la diphtérie. Il y a eu beaucoup de problèmes logistiques, la couverture vaccinale a donc pris du temps à se déployer, et donc les gens étaient juste pas vaccinés en fait, pas suffisamment. Pour résumer, sans jamais dire que les vaccins sont inefficaces, on essaye de vous expliquer que l'hygiène est, au même titre que la vaccination, très importante, et ce, de deux manières. La première, c'est en vous donnant des dates d'amélioration de l'hygiène qui ne correspondent à rien. La seconde, c'est en se servant de la guerre comme un négatif de l'hygiène pour expliquer que la vaccination est insuffisante. Tout cela est particulièrement insidieux, n'est-ce pas? Une fois analysé, ça paraît un peu con, mais quand vous êtes dans l'ambiance, c'est très difficile de s'en rendre compte. On a vraiment l'impression que tout ça est cohérent, et que l'hygiène a peut-être joué un rôle aussi important que la vaccination dans la disparition de ces maladies. Il faut savoir que cet argument que ce serait l'hygiène et non les vaccins qui seraient à l'origine de la chute des maladies infectieuses au XXe siècle, c'est un grand classique. Mais vous verrez qu'à la fin du documentaire, l'hygiène passe du côté obscur de la force. Elle serait responsable de maladies auto-immunes. Ah, juste une petite précision. Continuez à vous laver les mains, on ne dit pas que l'hygiène est inutile. On vous a montré maintes et maintes fois cette illustration pendant le Covid en disant que la vaccination n'est pas le seul outil dont on dispose. L'hygiène des mains en fait d'ailleurs partie, mais la vaccination n'est pas juste un maillon de la chaîne. C'est le maillon qui a permis de quasiment éradiquer tout un tas de maladies particulièrement graves. Il a fallu attendre la vaccination pour que ce soit possible.